Thank you.
Christophe, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse à mon cas, je le porte dans mon cœur. En tout cas, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Je suis venu jeudi, mais on s'est familiarisé. J'ai fait mes bien-aimés, le frère Blue et mon frère Martin. En tout cas, j'étais bien accueilli. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, frère William. Vous avez un magnifique chant d'adoration. Nous vous demandons de ce plateau et d'être glorifié. La vie se renaît, l'honneur et la gloire. Merci encore, frère William. Nous applaudissons encore pour lui, s'il vous plaît. Et pour vous dire que le frère William s'y prépare actuellement un album qui devrait s'intituler La puissance de la croix de Jésus-Christ. Donc il est en préparation, ça devrait sortir d'ici là. Dans l'attendant, vous pouvez le suivre sur les chaînes de YouTube, sur sa chaîne notamment. William Spuka Channel sur YouTube, vous verrez ses prestations, il a plusieurs chants déjà mis en ligne. Donc si vous voulez connaître davantage l'artiste, allez sur YouTube, vous tapez et vous verrez la puissance de Dieu. Et comment ça manifeste au travers de ses chants. Bon, nous allons poursuivre notre programme avec la projection d'un mini-film qui retrace un tout petit peu le parcours depuis le début, depuis le démarrage du projet jusqu'à maintenant. Ça retrace un petit peu comment le projet est né, comment il a été façonné, comment ça se déroule. Donc pour mieux en parler, je vous prie d'accueillir chaleureusement le pasteur Adolfo Zola, qui est à l'initiative de ce projet. Oui, Dieu, il est merveilleux. Bien, chers amis, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi que nous nous retrouvons ici ensemble pour participer au concert de charité agrémenté par le groupe Greenlight. C'est en faveur des écoliers de notre école, ni à vous. Et à vous, cela veut dire que ça, c'est un hommage qui dit Dieu soit élevé. Donc, c'est par la grâce de Dieu que cette école a été implanté à Tananarive, ceux qui connaissent Madagascar, à Tananarive, donc dans le quartier de Apefloua, en Bodirane. C'est dans le 4e arrondissement de Tananarive à Madagascar. Donc, vous savez que dans l'île de Madagascar, l'enseignement est obligatoire pour les enfants, mais c'est que nous constatons qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas de moyens financiers pour scolariser leurs enfants. D'autre part, on note la carence de places dans des écoles publiques gérées par l'État. À cela, on retrouve partout dans les bas quartiers, je connais dans les quartiers un peu défavorisés, par exemple à Pefolo, à Fouguéran. Donc il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés. Parfois, ils sont exploités par. Pour le travail. Et d'autres enfants ont dû abandonner leurs études pour faute de moyens financiers. Au vu de tout cela, l'idée m'est venue avec l'aide et l'amour de Dieu de créer cette école en 2014 où on a commencé avec 30 élèves et 2 enseignants. En 2015, 80 élèves ont été inscrits et enfin cette année scolaire 2016-2017, nous comptons 150 élèves avec 4 enseignants. Pour le moment, le cours se déroule dans la salle de culte de notre église à Tananarive, mais l'espace devient trop petit. Hein, c'est une salle qui a été construite avec des matériaux de fortune, en bois, sur un terrain marécageux. C'était un terrain qui se servait c'était un terrain de misère. Alors, ce terrain est menacé de temps à autre par les cyclones. Par exemple, en 2014-2015, donc, la salle a été balayée par un cyclone. Donc, il devient urgent de mettre les enfants
à l'abri. D'autant plus qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. À l'heure actuelle, nous avons 4 niveaux. Il y a la maternelle, qu'on appelle la préscolaire, la première, la deuxième et la troisième année élémentaire. Donc au moment où nous parlons, ils sont en train de faire l'examen du premier trimestre. Bien, voilà ce que je peux vous parler en bref de cette école. Donc je vous remercie pour votre bonne attention et je profite plutôt de vous souhaiter une joyeuse fête de Noël. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen.